Mesdames, messieurs, chers Arséguiens, chères Arséguiennes, bonjour, j'espère que vous vous portez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Webin Arseg Le Mag, votre rendez-vous trimestriel pour faire le tour de l'actualité de notre profession. Alors, n'hésitez pas à réagir dans le chat qui est à votre disposition pour nous dire bonjour ou tout ce que vous voulez d'ailleurs, dès lors que l'on reste évidemment dans la limite de la décence. Je compte sur vous. Ce soir, nous allons parler de l'actualité réglementaire et notamment du dernier protocole sanitaire ainsi que du droit à la déconnexion des salariés et nous le ferons avec notre maître préféré, Héloïse Hérault. Nous découvrirons avec Anna Bolzinger-Bonlieu et le cabinet CDB les nouveaux aménagements de la société Lumi qui fabrique et qui propose des jouets et des services éducatifs. Vous connaissez peut-être la boîte à histoire, c'est eux. On s'est dit qu'en cette période pré-Noël, pré-fête, eh bien, c'était une bonne idée d'aller voir du côté de l'Uni. Enfin, Mario Fernandez, le responsable du pôle études et prospectives de l'ARSEC, viendra partager avec nous les chiffres du coût de l'énergie dans les bureaux, des chiffres issus des tout beaux, tout chauds Busy Ratio qui viennent de paraître. Allez, avant cela, discutons de l'actualité de l'ARSEG et pour cela, je vous propose de voyager un peu. J'ai le plaisir d'accueillir un membre du comité directeur de l'ARSEG, président de la délégation Sud-Ouest, Raphaël Cartron. Alors, je vais inviter Raphaël à me rejoindre sur scène. Voilà. Bonjour Lionel. Bonjour Raphaël. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Il fait beau à Bordeaux? Il fait toujours beau dans le sud-ouest, tu le sais. C'est bien pour ça qu'on est là. Oui, c'est vrai. Alors, merci beaucoup Raphaël d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux d'accueillir le président de la délégation sud-ouest. C'est l'occasion de mieux la découvrir. Alors, est-ce que tu peux nous la présenter rapidement et puis aussi son actualité, s'il te plaît? Alors, la délégation Sud-Ouest, c'est une délégation dont j'ai repris la présidence il y a maintenant presque 2 ans, dans une période très, très simple, parce que 3 mois après, on était en plein confinement, donc assez facile de démarrer une activité. C'est une délégation qui se porte bien, qui vit pleinement. Aujourd'hui, c'est une délégation avec 38 membres actifs et 76 membres associés. Donc, il y a quand même pas mal de monde qui gravite dans l'activité de l'environnement de travail dans le sud-ouest. Okay. On couvre le secteur de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, donc toute une grande région, assez active. On est un bureau de 10 personnes avec deux nouvelles recrues, toutes fraîches, qui nous ont rejoints il y a un mois maintenant, sur le secteur de Toulouse, parce que j'avais envie de renforcer ce secteur-là. Donc avec Eric Lebris de la Banque Postale et Guillaume Blanche et Merci Yanis, que tu dois connaître. Oui, que je connais bien, ouais, bien sûr. Et là, le principe qu'on essaye de mettre en place là, si les règles sanitaires nous le permettent, et au vu des derniers événements, c'est pas gagné, mais on a vraiment envie de reprendre le présentiel et de pouvoir nous retrouver physiquement sur des événements, et notamment le prochain qu'on organise qui est le 15 décembre pour une visite du site de la Monnaie de Paris à Pessac. On s'est décidé à orienter un petit peu notre activité sur l'organisation d'événements dans des sites prestigieux, que ce soit sur Bordeaux, Toulouse et même ailleurs. Donc là, on a quelques pistes pour aller visiter Airbus, pour aller visiter Thalès à Mérignac, pour le marché d'intérêt national à Bordeaux à 5 heures du matin. On va essayer de s'orienter un petit peu là-dessus et puis pouvoir en profiter derrière pour faire des ateliers avec tous nos adhérents pour discuter du fond du métier. Et puis, on a un gros événement à venir qui est le Salon Working Toulouse qu'on va organiser donc à Toulouse, comme son nom l'indique, début octobre, avec une cinquantaine de membres associés qui vont venir présenter leur activité et pouvoir échanger avec les décideurs de la région. Eh oui, le 6 octobre, si je ne me trompe pas, c'est ça? Le 6 octobre, tout à fait. Date encore à valider, mais normalement, ce sera celle-là. OK. Avec une superbe conférence, j'en suis sûr encore ce jour-là.
Je n'en doute pas, et un animateur de talent, comme d'habitude. Ce sera avec grand plaisir que je viendrai dans la région. J'ai toujours beaucoup de plaisir à voyager dans les délégations de l'Arseg. J'en profite pour saluer Muriel, Franck, bonjour Muriel, Pascal, Jean, Frédéric, Olivier, Catherine, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Et Eric qui nous dit bonsoir à toutes et tous depuis Toulouse. Raphaël, Eric Lebris. Donc voilà, c'est la délégation est à l'honneur et en Voilà. plus elle est présente. Bienvenue, Eric. Voilà. Allez, on va passer à l'actu nationale. Et ce mois-ci, il y a des infos à partager sur une nouvelle plateforme RH, la sortie des fameux Busiration, on va en parler, et puis un webinaire organisé par le club digital. Je te passe la main, Raphaël. Excuse-moi, je n'avais pas coupé mon micro. Rafraîchis-moi la mémoire. Alors, on démarre avec la plateforme RH qu'on voit Ah, la ici. plateforme RH, oui, tout à fait. Voilà. Donc effectivement, la nouvelle plateforme qui a été mise en ligne pour nous aider aussi bien membres associés que membres actifs à développer l'activité, une plateforme qui va être plus ergonomique et plus simple d'utilisation pour pouvoir y retrouver plus facilement les personnes en recherche d'activité sur nos domaines d'activité. Des CV anonymisés. Voilà, chaque candidat qui voudra y déposer son CV pourra l'anonymiser. On sait que maintenant, c'est quelque chose qui se fait et qui porte ses fruits. Et puis, une description plus précise des compétences. L'idée étant de pouvoir vraiment mettre en valeur ce que chacun est capable de faire et ses domaines d'activité pour se rapprocher davantage de ce qu'on peut rechercher nous. Parce qu'en fonction de chacun de nos domaines d'activité, bah, on a des attentes un peu plus spécifiques et un peu plus ciblées. Ok. Je crois d'ailleurs qu'il y a c'est pas un séminaire, c'est un webinaire, hein, un atelier RH. Il y a un atelier RH qui est prévu le 3 décembre pour pouvoir échanger justement sur tous ces sujets de recrutement en lien avec la commission des solidarités. Ok, super. Il y a encore des places, on peut s'inscrire à hein, Donc. communication@arseg.asso.fr. Alors, autre actualité, vraiment toute chaude, c'est la sortie des fameux busy ratios de l'Arseg. Alors, on rappelle rapidement, hein, les busy ratios de l'Arseg, c'est une base de ratios, comme son nom l'indique, et qui porte sur l'exploitation des bâtiments tertiaires. C'est le pôle études et prospectives de l'Arseg qui est à la manœuvre. Hein. Tous les ans, il produit cette base depuis plus de 15 ans. Mario pourra nous en parler tout à l'heure. Et donc, l'édition 2021 vient de sortir, c'est ça? Tout à fait, l'édition vient de sortir. C'est quelque chose qui est hyper important dans nos métiers parce que cette base de busy ratio, ça nous permet de confronter nos coûts d'exploitation et nos données d'exploitation, aussi bien en termes d'occupation que de volume d'activité, et de pouvoir se comparer par rapport à nos pairs qui sont dans les mêmes domaines d'activité pour voir bah, si on est dans la tendance du marché ou si on est un peu en dérive. Et ça nous permet de cibler directement les points sur lesquels on est en dérive et sur lesquels il faut peut-être s'orienter un petit peu plus. Parce qu'on est dans un métier de fond où le quotidien a tendance à prendre le dessus assez facilement et on peut se laisser embarquer dans des dérives non maîtrisées et for non forcément diagnostiquées. Donc j'encourage tout le monde à souscrire au busy ratio. C'est un très très bon moyen de structurer son activité au quotidien et puis aussi de pouvoir remonter auprès des directions générales le fait que bah, on maîtrise notre domaine et qu'on est dans les clous des activités de nos pairs. Compris. Et je vois qu'il y a des nouveaux ratios, ratios sur le télétravail, hein, une note de conjoncture aussi. Donc, ce n'est pas seulement des ratios, il y a aussi de l'analyse. Et puis, surtout, c'est une base qui évolue dans le temps. Hein. On le voit là avec, par exemple, ces nouveaux ratios sur le télétravail. Alors, je crois qu'il y a d'ailleurs un webinaire qui est prévu pour présenter les principaux résultats. Et bien voilà, le jour de la fête des Lumières à Lyon, tiens. Oui, tout à fait. Et Mario sera à la manœuvre pour présenter tous ces résultats qui vous permettront de comprendre comment sont montés ces budgets ratios, pouvoir évoquer aussi les nouveaux items qui sont proposés. Et puis pourquoi pas, si vous avez des items qui vous tiennent à cœur et que vous pensez judicieux d'intégrer, bah, c'est l'occasion de l'évoquer ensemble pour voir comment les faire évoluer avec les équipes de Mario. Voilà, et donc pour s'inscrire, communication@arseg.asso.fr. Et puis enfin, on termine cette actu du mois de décembre avec
un nouveau webinar du Club Digital cette fois. Hein. Le club digital, hein, oui, avec le rôle des startups dans le digital de nos métiers, c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant et important dans toute notre activité. C'est le digital et c'est la présence des startups. Depuis quelques années, il y a beaucoup de ces petites structures qui gravitent dans notre monde, qui sont dans des domaines très spécialisés et très ciblés, mais qui nous amènent une expertise et une écoute et un développement qui sont particulièrement intéressants. Moi, j'ai l'occasion de travailler avec plusieurs d'entre elles et c'est un vrai régal de pouvoir échanger avec avec tout ce petit monde. Et typiquement, on parlait tout à l'heure de Guillaume qui a rejoint le bureau, la structure Merci Yannis. C'est une start-up qui est basée à Toulouse, qui propose une solution de gestion de la demande dans les bâtiments et qui est partie prenante dans la vie de notre activité. Ouais, et justement, Guillaume, il sera présent hein, lors de ce webinaire avec, avec d'autres intervenants. Et l'idée, c'est aussi de réfléchir à la manière de travailler aussi entre des directions de l'environnement de travail et des startups. On aura aussi présent un directeur achat et un directeur achat qui sait de quoi il parle puisqu'il est spécialisé sur l'innovation. Et donc, il pourra donner aussi quelques bonnes pratiques sur la façon de collaborer entre clients et startups. Et puis aussi, on partagera un premier mappage un petit peu des startups du monde du digital, du workspace. Hein, donc de l'espace de travail digital. Voilà, c'est un début de travail qu'on fait au sein du club digital et donc qui aura vocation à se nourrir et à se déployer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire dont la communication est partie, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Voilà, les invités sont partis aujourd'hui. Merci beaucoup, Raphaël. Tu restes avec moi. Hein. Je vais maintenant demander et bien évidemment. À nos autres coéquipiers de nous rejoindre sur scène. Héloïse Hérault, Anna Bolzinger-Bonlieu et Mario Fernandez. Merci de nous rejoindre sur scène. Vous pouvez, voilà, très bien activer vos caméras. Bonsoir à tous. Bonsoir Lionel. Bonsoir Héloïse. Bonsoir Anna. Bonsoir. Et bonsoir Mario. Bonsoir Lionel. Voilà. Car vous allez tous bien malgré cette houle, cette nouvelle vague, une sorte de nouvelle vague, hein, ça y est, qui arrive. On s'accroche. Ouais, accrochez-vous. Voilà, il va falloir s'accrocher. On commence à avoir l'habitude de ces vagues, malheureusement. Allez, pas de passe sanitaire à l'entrée hein, déjà pour ce webinaire. Donc, pas ça. Et on a une pensée évidemment aussi pour toutes celles et tous ceux qui commencent à être impactés, notamment nos collègues de la restauration d'entreprise. Et oui, une fois de plus, ou de l'événementiel, hein, c'est vrai que, ben voilà, pour le coup, ils sont en première ligne à tous les niveaux. Allez, on démarre notre première rubrique avec toi, Héloïse. C'est l'heure de la question de droit. Alors, Héloïse, je rappelle que tu es avocate associée hein, en charge du département droit social au sein du cabinet Eseis Avocat et tu es notre chroniqueuse attitrée pour cette rubrique. Et on commence avec un point rapide sur le protocole sanitaire. Il faut bien commencer par là, Héloïse, je suis désolée. Oui, Lionel, alors ce ne sont pas des bonnes nouvelles parce que non seulement on commence par là, mais on recommence en réalité un peu les mesures qui ont été mises lors de la première vague, puisque le protocole sanitaire est mis à jour par le gouvernement et notamment le point clé, tu l'as dit, c'est la restauration d'entreprise. Dorénavant, les salariés vont devoir respecter de nouveau 2 mètres de distance de sécurité chacun entre nous. Les pots de départ, les fêtes, tout ceci est déconseillé, non interdit, mais fortement déconseillé. L'aération des bureaux toutes les heures est de nouveau préconisée. Voilà, on revient vraiment sur le premier confinement que nous avons déjà vécu, mais que nous n'avons pas oublié. Et c'est vrai que ce sont toujours des mesures avec des préconisations, hein, parce qu'on ne peut pas contraindre les entreprises. Et il y avait eu tout ce débat sur la force obligatoire du protocole sanitaire, qui reste une recommandation du gouvernement. Mais je ne peux qu'inviter les entreprises, une fois encore, à éviter cette polémique et à l'appliquer à la lettre, puisqu'il constitue un faisceau d'indices en cas de difficulté, et notamment de virus au sein de l'entreprise.
Ouais. Je me posais la question, comment on fait pour aérer quand on n'a pas la possibilité? Je pensais à ces grandes tours là. Bon, c'est forcément, Raphaël, on est obligé de passer par la ventile mécanique, il n'y a pas le choix. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix dans ces grandes tours, mais même dans des plus petites tours qui sont des bâtiments qui ont quelques années et qui ont été construits sans moyen d'ouverture. C'est les éléments mécaniques qui permettent d'aérer. Après, où je rejoins Héloïse, c'est que ça devient aujourd'hui assez compliqué de revenir à ces mesures contraignantes de distanciation et autres. Les collaborateurs, ils en ont marre, quoi. Ils en ont vraiment marre et c'est très difficile sur les sites de pouvoir. On peut faire la police, entre guillemets, et leur dire, bon voilà, on retourne dans une difficulté avec la distanciation, avec toutes ces règles-là qui s'étaient un petit peu assouplies au fil du temps. Là, on a un vrai ras-le-bol, là. Et Oui, je c'est pense ce que que ça va être j'entends. difficile à gérer sur les sites. En plus, on arrive en fin d'année avec les moments de convivialité, avec les pots, avec ces moments où on a envie d'être un peu en période festive et on explique à tout le monde que non, on ne peut pas. C'est ça. Et on se retrouve avec des restaurants voilà, qui, de nouveau, sont pas très conviviaux, pas très cool, avec les 2 mètres de distance et puis certains qui mettent des séparations. Voilà, et les repas de Noël, nous dit Christophe, ça c'est vrai, difficile à gérer sur Ça site, va être compliqué. dit Laurence. Et on parlera aussi sur les conséquences en termes de consommation énergétique par rapport à la ventilation mécanique. Parce que c'est vrai que depuis que la pandémie a eu lieu, il y a eu des bâtiments qui n'avaient pas forcément de la ventilation mécanique ou qui ne l'utilisaient pas beaucoup, qui l'ont utilisé de plus en plus et ça a eu des conséquences sur les consommations. Ouais. Ah ouais. Merci en tout cas, Raphaël, de partager parce que je vois que c'est partagé aussi par Catherine. Hein, voilà. Je sens qu'on Oui. frise, hein, compliqué de faire la police depuis mars 2020. Mais oui, on en avait parlé. Hein, c'est vrai que les équipes environnement de travail se retrouvent un peu à faire la police, Héloïse. Hein. Ou Alors oui, mais bon, moi je vais RH, hein, être, voilà, ouais, je vais forcément être moins tolérante que vous, mais moi je suis là pour apporter une touche juridique. Hein. les RH. C'est difficile, c'est pas sympa, c'est effectivement pas fédérateur d'ambiance, mais la responsabilité de l'entreprise, c'est la première qu'on vient chercher. Donc c'est pas un choix en fait, ni une option. C'est d'apprendre à vivre différemment d'avant. C'est difficile, c'est compliqué, les juridictions ne sont pas adaptées non plus. En fait, on a tous des problèmes. Et j'encourage Catherine à continuer à avoir du courage parce que voilà, ce n'est pas une fois encore une option. Il y a des responsabilités pénales qui sont derrière. Eh Et oui. lorsqu'il y aura un problème, il faut forcément aller chercher quelqu'un et les personnes sont les personnes de l'entreprise en général. Voilà, Héloïse nous ramène Je suis bien désolée. dans le cadre. On sent la rigueur et la rigidité. Hein. Voilà. Non, non, mais c'est vrai que c'est un sujet très délicat, la responsabilité pénale. Hein. On n'y pense pas Ah parce qu'on se oui. dit que c'est théorique, Ah oui. mais Eh oui, on sait. c'est beaucoup mis en pratique en ce moment. Et moi, je suis là pour rappeler aux gens qu'effectivement, même si j'ai envie d'être de votre côté et de votre avis, malheureusement, les textes de loi en pénal, ils sont extrêmement sévères et ils n'appellent pas à une tolérance. L'infraction, elle est constituée ou non. Il n'y a Ouais. pas de juste mesure en pénal. Ouais. Très bien, merci Héloïse. Autre sujet, le droit à la déconnexion des salariés. Est-ce qu'il y aurait du nouveau sur ce point? Alors, plus sympa comme sujet, et merci Lionel, parce que je pense que sinon mes interlocuteurs me prendront effectivement pour la rigide. Le droit à la déconnexion, c'est un sujet assez sympa du moment. C'est quand même un droit qui a été édicté depuis 2017 hein, dans le Code du travail, mais il ressort énormément en ce moment avec cet environnement de travail qui est le bien-être hein, au travail, dont on discute tous les jours, et la possibilité pour le salarié de ne pas subir cette crise, puisque le télétravail ou les allers-retours au travail entraînent régulièrement en fait des amplitudes horaires qui sont assez grandes. Et donc on en vient à avoir des accords d'entreprise qui naissent de plus en plus en ce moment pour venir chercher cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Équilibre qui est d'autant plus recherché par les salariés compte tenu du contexte. Donc le droit à la déconnexion, c'est pas que c'est nouveau parce que une fois encore, il est là depuis 2017, mais il est remis en avant par beaucoup d'organisations syndicales, par beaucoup d'entreprises, pour permettre aux salariés de ne plus subir des emails à 22 h, à 6 h du matin, et avoir ce droit à la déconnexion, c'est-à-dire ce droit au repos dans les entreprises. Et c'est, je dirais, un des sujets centraux en ce moment des contentieux que l'on rencontre devant le conseil de prud'homme et les cours d'appel.
D'accord. Et ce qui est effectivement un vrai sujet, parce qu'on le constate régulièrement pour les personnes qui sont en télétravail, c'est cette amplitude horaire qui s'allonge, parce que on est à la maison et c'est tellement facile d'avoir le PC allumé sur le coin de la table et on s'arrête au dernier moment, on dîne, on s'y remet après et au final, c'est un droit à la déconnexion, mais c'est même le collaborateur ou la collaboratrice qui se refuse ce droit parce qu'il a toujours un truc à faire et qui a du mal à couper. Et c'est vrai qu'en tant que manager, c'est aussi notre rôle de pouvoir dire à un moment, stop, je ne veux plus voir passer des mails à des heures indécentes. La responsabilité des managers est importante sur le sujet. Ouais. Tu as raison. Il y a des entreprises qui coupent carrément le réseau informatique. Alors, oui. Ça, c'est, je l'ai déjà vu. Mais avant, il y a des mails qui partent. Oui, c'est drastique, mais en fait, la difficulté, c'est la recherche de l'équilibre entre le salarié qui ne sait pas s'arrêter et qui va vous le reprocher derrière, et le manager qui n'ose pas dire... parce que c'est toujours un peu délicat, arrête tes mails de 23h. Et donc, certaines entreprises considèrent que comme leur responsabilité est automatique, le réseau Internet des mails est coupé et tous les mails seront transférés le lendemain matin. C'est extrêmement drastique, mais je le vois de plus en plus souvent. Oui. C'est vrai. Merci, Héloïse. Alors, moi, je voulais aussi attirer votre attention sur une news qui est parue cette semaine. C'est la demande de permis de construire qui va pouvoir être déposée de manière... digitalisé dès le 1er janvier 2022. En France, il y a presque 1,5 million de demandes d'autorisation d'urbanisme qui sont déposées chaque année en mairie et souvent des mois d'attente. Je ne vais apprendre rien à personne avant d'obtenir le fameux permis. Et donc, à partir du 1er janvier 2022, dans les communes de 3500 habitants et plus de 3500 habitants, la demande sera désormais réalisable donc en ligne. Il y aura un hub central qui est appelé un joli nom, Plateau, qui chapeautera les différents systèmes déployés par les municipalités. Et il y a à peu près 80% des municipalités qui ont dit qu'elles devraient offrir cette fonctionnalité dans le courant du premier trimestre 2022. Ce ne sera pas non plus au 1er janvier pour tout le monde. Ça c'était pour cette petite actu. Je ne sais pas si ça va être pratique, Raphaël, tu penses ? Je ne pense pas du tout. Je pense que ça va être une difficulté. Alors moi qui bosse chez un promoteur immobilier, ça va être un grand moment de faire ces dépôts de permis de construire en ligne avec des plateformes qui vont pas forcément être adaptées à ce qu'on a l'habitude de faire et des us et coutumes qui vont devoir changer. Nous on a l'habitude de les envoyer par coursier directement pour être déposés à la main pour être sûr qu'il y a bien tous les documents et on a les contacts qui vont bien. Donc là, on dépersonnalise un petit peu ce process. Donc, on va voir ce que ça donne. On va s'adapter. Oui, parce que je ne l'ai même pas dit, mais tu es directeur de l'environnement de travail du groupe Piché quand même. Oui, j'ai un autre métier à côté que président de l'ARCEG, effectivement. Président de la délégation. Et on rappelle, groupe Piché, tiens un petit mot. Groupe Piché, promoteur immobilier familial, 1300 collaborateurs sur toute la France et toute la chaîne des métiers de l'immobilier, c'est-à-dire la promotion, la conception, la commercialisation, l'administration de biens, la foncière, l'hôtellerie. Puis on a à Bordeaux, donc un château dans le vignoble bordelais pour se faire plaisir. Pour faire bonne mesure, ouais, c'est ça. Merci. Allez, c'est terminé pour notre rubrique, Héloïse, mais tu restes évidemment avec nous, Et puis, si vous souhaitez poser vos questions à Héloïse, vous qui nous écoutez, vous n'hésitez pas. Le chat est à votre disposition. Héloïse fera un plaisir d'y répondre aussi. Donc, utilisez cette possibilité. Puis, ça nous permet aussi de voir un petit peu sur quoi vous souhaitez réagir. On va passer maintenant au projet du mois et à la belle histoire de l'UNI. C'est parti. Alors Anna, c'est ensemble que nous allons voyager dans les nouveaux aménagements de l'UNI. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être présente ce soir. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous. Ouais. Consultante senior Workplace et Change chez CDB, qui est une agence d'aménagement, qui est membre associé de l'ARCEG.
Et donc, ensemble, on va partir à la découverte du nouveau siège de la société Luni. Alors, pour commencer, peut-être raconte-nous rapidement, je l'ai dit au début, mais ce que fait Luni. Et puis, quand tu as démarré le projet, voilà, quels étaient un peu les objectifs de départ? Oui, très bien. Alors, Luni, c'est une start-up qui a été fondée en 2013. Et en fait, ils conçoivent des produits et des services qui vont favoriser la connaissance de soi par l'imaginaire et l'imagination. Donc pour les enfants. C'est un projet qu'on a démarré donc avec eux. Il a été lancé à la fin de l'année 2019 et il y avait deux enjeux forts pour Luni. C'était une croissance très importante à absorber. En effet, ils voulaient doubler leurs effectifs et passer de moins de 65 à plus de 120 personnes l'année prochaine et aussi mettre en avant la marque Luni dans leur bureau. Ouais. Et donc, ils sont installés là depuis le mois de juin dans leurs nouveaux bureaux qui sont situés boulevard Voltaire. D'accord, tout récent. Ils sont dans Paris intramuros. Et alors, Luni, ils ont une particularité aussi, c'est qu'ils ont, c'est pas seulement une start-up, c'est qu'ils ont des valeurs RSE assez fortes. Hein. Par exemple, ce que j'ai vu, c'est que la fameuse boîte à histoire qu'ils développent, c'est parce qu'ils veulent éviter aussi les écrans, par exemple, pour les enfants. Exactement. Tout est basé sur l'univers auditif et donc l'imaginaire de l'enfant. Ouais. Ouais. Alors, mètres carrés, nombre de personnes concernées. Le plateau, enfin leur bureau actuel font 2000 mètres carrés pour donc du coup les effectifs qui sont en train de croître. Actuellement, ils sont 90 personnes. On a installé 120 postes de travail. Ok. Eh ben, c'est un projet qui a représenté 14 mois de travail avec eux. Ouais. On a impliqué une quinzaine de collaborateurs chez CDB et à peu près la même quantité de personnes chez Luni. D'accord, ok. Très bien. De toute façon, au fur et à mesure de la visite, on va peut-être poser des questions, réagir. D'ailleurs, Raphaël, Héloïse, Mario et vous qui nous écoutez, vous n'hésitez pas, vous pouvez réagir et poser des questions. On démarre cette petite visite virtuelle, allez, avec les premières images. Et là, Anna, eh bien, du coup, je te laisse un petit peu nous expliquer à la fois où est-ce qu'on se trouve et puis pourquoi vous en êtes arrivé à ce concept d'aménagement et d'espace qui fait résonance à quel type d'attente ou à quel type d'usage. Alors peut-être juste un tout petit mot avant de dérouler les différentes images. Ouais. Luni, ils ont souhaité avoir une forte implication de leurs collaborateurs dans le projet. Donc en fait, la phase de conception des espaces, on a intégré des collaborateurs dans la démarche. L'intérêt, il était multiple. C'était donc de s'assurer que les aménagements qu'on allait imaginer et concevoir, ils répondent aux usages et aux besoins des collaborateurs. Ça facilite aussi la projection des gens dans les futurs espaces et ça contribue aussi à la conduite du changement parce que ça va rendre les collaborateurs acteurs du projet. Donc, ils vont davantage se l'approprier, devenir porteurs de celui-ci. Donc, c'est une démarche que chez CDB, on aime bien mettre en œuvre et qu'on conseille à nos clients. Et donc, comment est-ce qu'on l'a mise en œuvre? Simplement, avant de vous montrer un peu les résultats, on a fait appel à des contributeurs volontaires qui sont devenus des ambassadeurs et qu'on a impliqués donc dans cette phase de conception et dans d'autres phases tout au long du projet. Mais donc pour la phase de co-conception, on a mis en place un hackathon qui a duré une journée et on les a fait travailler sur différentes thématiques qui étaient importantes justement pour leur futur espace. Ouais. La notion de l'expérience collaborateur, donc finalement qu'est-ce que le salarié Luni, une fois qu'il viendra au bureau, doit vivre comme expérience, ressentir quand il est dans les locaux. Le parcours visiteur, parce qu'ils reçoivent pas mal de public, donc comment être accueillant, comment doit être cet accueil et qu'est-ce qui doit être perçu ou non de Luni. La notion de collaboration, donc tous les espaces collaboratifs, quelles sont les attentes et quels sont les usages. Et la notion de convivialité, avec quel usage et quel esprit pour le futur espace convivial / lounge. D'accord. Et le fait d'avoir...
Oui. Le fait d'avoir impliqué beaucoup les collaborateurs comme ça dans les groupes de travail, il n'y a pas, y a pas eu de dérive, de demandes farfelues, de sollicitations diverses qui ont été derrière des solutions, des situations de frustration parce qu'il a fallu revenir dans un cadre un peu plus normatif. Alors, en fait, avant toute phase de lancement d'une co-conception avec des collaborateurs, on définit de manière extrêmement précise le cadre de travail dans lequel ils vont pouvoir naviguer, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est quand même de donner un peu le canevas, les grandes tendances, les ambitions du projet pour faire en sorte que les collaborateurs ils se mettent dans cet état d'esprit-là. Et ensuite, bien sûr, il y a toujours des choses qui sont proposées qui ne sont pas forcément mises en œuvre derrière. L'idée, c'est simplement de communiquer et d'expliquer pourquoi. Et en général, non, il n'y a pas eu de frustration. Et en général, ça ne pose pas de problème dans ce genre de démarche. Bon, okay. Parfait. Ils ne sont pas partis dans des délires. Mais souvent, c'est le cas. D'ailleurs, je m'aperçois que quand j'en parle avec les adhérents de l'ARSEG, qui ont fait des vraies grosses démarches de co-construction, parfois même, les salariés sont assez raisonnables, c'est-à-dire qu'ils donnent des solutions qui finalement sont assez parfois simples et même plus simples que ce qui avait pu être envisagé au départ. C'est assez marrant. C'est par exemple Dominique Delattre, Saint-Gobain, c'est ce qu'elle me disait avec la tour, le nouveau siège de Saint-Gobain à la Défense. Et finalement, ils ont évité aussi, cette co-construction a évité peut-être des fois de faire des choses qui n'étaient pas forcément demandées ou attendues par les collaborateurs. Ouais, complètement. En fait, nous, chez CDB, on aime bien dire qu'on crée des lieux pour créer du lien et créer des espaces où les gens vont prendre plaisir à se trouver, se retrouver. En fait, on se rend compte que la raison d'être et la raison de venir au bureau selon les entreprises, elle va être différente. Ouais. Et qui mieux que les collaborateurs en interne pour pouvoir dire et expliquer ce dont ils vont avoir besoin et les raisons pour lesquelles ils vont avoir envie de venir au bureau demain, quoi. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir envie d'aller dans les bureaux de l'Uni ? C'est parti. Alors, là, en fait, on arrive, cette première image, elle représente donc une partie de l'accueil, de l'accueil de l'Uni. Donc, ça fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le parcours visiteur et l'image externe que souhaitait mettre en place l'Uni. Elle reçoit pas mal de clients, des utilisateurs finaux pour le service après-vente, des tests utilisateurs sont organisés aussi dans les espaces. Donc, ils reçoivent des enfants avec leurs parents, des candidats, des fournisseurs et aussi beaucoup de presse, médias, influenceurs. Donc, il y avait un énorme enjeu pour l'Uni de montrer en fait quelles étaient ses valeurs qui tournent énormément autour, donc on l'a dit tout à l'heure, de l'imaginaire et comme vous le disiez Lionel, de la RSE. Donc, en fait, dès l'entrée, on voulait que le visiteur se trouve immergé dans ces éléments-là. Donc, pour révéler un peu ou pour mettre en avant l'espace imaginaire, on a mis beaucoup d'espaces colorés, du végétal, du ludique avec les deux petites balançoires que vous voyez sur la gauche. Et il y a de la RSE dès l'entrée, entre guillemets, parce que donc les deux petites chaises en bois qui sont de part et d'autre du petit champignon sur lequel on peut s'asseoir, c'est des chaises qui sont 100% made in France. Et donc, l'ensemble de cette thématique, l'univers donc imaginaire et RSE, ça va se retrouver tout au long des espaces. Okay. Donc, par exemple, si on regarde la photo suivante. En avance, ouais. Donc là, on voit l'accueil et la borne d'accueil à proprement parler. Ce que voulaient les collaborateurs, c'est que ce soit quelque chose d'accueillant, bien organisé et accessible. Et donc, vous voyez, il y a un petit, justement à côté de la borne d'accueil, un petit iPad, parce qu'ils voulaient justement aussi, pour rester dans l'univers de l'audio de la boîte à images qui propose, on peut également accéder en audio et en braille aux locaux, quoi. D'accord. Image suivante. Sur l'image suivante, donc c'est là on avance après l'entrée. En fait, ce qui était aussi important pour l'Uni, c'est de montrer du professionnalisme, donc c'est-à-dire une équipe nombreuse en coulisses qui travaillent, qui sont multimétiers, donc de la pluridisciplinarité, du sérieux, de l'expertise, un dynamisme. Et en fait, pareil, ça, ils souhaitaient que ça se retrouve partout dans les espaces et que ça se ressente par le visiteur. Leur volonté, c'était aussi un peu de casser peut-être cette image de la start-up qu'on peut avoir quand on la pense au premier abord, qui est voilà une toute petite société avec des personnes, un peu le beans partout, etc. Donc, ils voulaient vraiment montrer que c'est pas parce que c'est une start-up qu'il n'y a pas de professionnalisme derrière, quoi. OK.
Si on continue à avancer voilà, sur les images suivantes, on est toujours dans le parcours visiteur, et donc juste après l'entrée qu'on vient de voir, on arrive dans l'immense espace lounge, où on va retrouver donc les mêmes codes dont je vous parlais au début. En fait, là, ce que souhaitaient les ambassadeurs Luni, quand on a parlé du lounge, c'était un espace qui est central, autour duquel vont s'organiser les espaces de travail, et un espace qui soit aéré, lumineux, avec du bois, du végétal. Si on peut passer à l'image suivante, on a un autre point de vue qui est voilà, en hauteur de cet espace-là. Ils avaient demandé aussi à ce que c'est un espace, que ce soit un espace qui soit modulable et qui soit varié pour qu'il ait une diversité d'usages, pouvoir faire des réunions informelles, des déjeuners, des projections réunissant toute l'entreprise, des événements. Donc là, on peut voir voilà, ce petit mobilier qui est sur roulette, qui peut être déplacé et puis différent. Tout à fait, toujours dans la couleur, dans le peps, c'est donc différents types de mobilier sans être trop chargé non plus pour permettre de réunir tout le monde. On a également des petits bacs que vous pouvez voir. Ça, c'est un sujet qui a émergé parce qu'on a également organisé un atelier sur la thématique de la RSE. Comme c'était un sujet qui était important pour l'UNIS, ils avaient challengé CDB pour qu'on leur propose des choses, mais ils ont également demandé à ce qu'on fasse participer les collaborateurs. Et donc, dans l'atelier RSE, avait émergé l'idée de mettre en place des bacs de jardins potagers de compost. Donc, c'est ce que vous retrouvez là avec les plantes, le végétal dedans. Sur le fond de l'image, on peut voir aussi un petit élément de publication. En fait, ils disaient qu'ils voulaient aussi pouvoir personnaliser les espaces et communiquer au sein de l'entreprise. Donc, on a mis un petit espace d'affichage où ils peuvent poster leurs actualités. Le sujet RSE et les attentes en matière de RSE, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus fortes du côté des collaborateurs. Raphaël, est-ce que tu le ressens ? Tu as des demandes particulières ? Oui, nous, on a de plus en plus de demandes sur tous ces sujets-là et on essaye d'y répondre un maximum en fonction des secteurs géographiques. On a des attentes qui sont vraiment différentes. Aujourd'hui, nous, les principales demandes, elles sont sur les sujets de mobilité qui commencent à devenir de plus en plus prégnants. Et puis, ce qui commence à ressortir, c'est aussi les conditions de travail des prestataires. On commence à avoir pas mal de demandes, notamment par rapport au personnel de nettoyage, savoir si ces personnels-là vivent bien leur travail, si on pourrait les aider, comment on pourrait les aider et autres. Donc, c'est des sujets qu'on commence à sentir venir poussés par les utilisateurs et pas par nous, exploitants, qui avons ça déjà dans les gènes depuis quelques temps maintenant. Ouais. Donc, pas seulement environnemental, mais aussi sociétal, hein, des engagements sociétaux. Ouais. OK, on continue notre parcours. Chez CDB, on est aussi de plus en plus challengé par les entreprises qui nous choisissent pour travailler avec eux sur les notions de RSE. Ça a été le cas de l'UNI qui voulait vraiment en fait mettre en place autant que possible un mode de fonctionnement et un état d'esprit de résilience dans ces nouveaux bureaux. Et donc du coup, CDB, on leur a proposé pas mal de choses sur les matériaux, notamment des matériaux recyclés ou recyclables, des éléments naturels. Sur le mobilier, on leur a fait également des propositions 100% responsables, que ce soit sur la partie donc mobilier seconde main, mais aussi du mobilier avec des choses qui sont made in France ou made in Europe. Okay. On voit ici peut-être du mobilier, non, qui justement recyclé ou... Exactement. Alors ici, on voit. Alors le mobilier recyclé, on va le voir dans la photo juste après. Ici, ce que je voulais mettre en avant, c'était pareil, l'une des volontés qui était ressortie de l'atelier RSE mené par les collaborateurs Luni, c'était de dire on aimerait bien inciter au zéro déchet et au recyclage. Donc là, en fait, c'est un espace qu'on conçu avec une cuisine qui est tout équipée, donc avec frigo, lave-vaisselle, des rangements pour les lave-vaisselle, justement pour qu'ils puissent avoir du matériel pour déjeuner sur place, apporter leur repas, le réchauffer. Ouais. Et au niveau du recyclage également, a été mis en place un dispositif de tri des déchets qui va de la suppression de la poubelle individuelle jusqu'au donc le jardin potager qu'on a vu ailleurs. Mais ils ont quand même chez l'UNI 7 types de poubelles différents, donc le papier, le verre, le plastique, les cartouches, le compost, le marc de café, je crois qu'il y a même tout venant, parce que c'était vraiment un élément qu'ils avaient demandé. Donc ça, ça a été mis en place justement dans cet espace-là. Okay. Et si on regarde l'image suivante,
Par exemple, les trois tables du fond que vous pouvez voir ici, c'est des tables avec des plateaux qui sont faits à partir de plastique recyclé. Ok. Ok. Vous avez sourcé, donc vous avez eu du mal à trouver ces équipements, ces mobiliers ? Alors non, il faut savoir que donc, chez CDB, on travaille avec plus de 500 types de fournisseurs de mobilier différents. Donc on a vraiment beaucoup de possibilités. Et en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Donc les fournisseurs de mobilier développent de plus en plus d'initiatives et d'actions autour de ces thématiques-là. Là, ce qui était intéressant pour nous, c'est comme l'UNI a été extrêmement challenging sur le sujet, nous, ça nous a permis en fait de travailler, de découvrir certains fournisseur qui est extrêmement avancé dans ce genre d'initiative. On pourra en parler tout à l'heure. Par exemple, là, je voulais simplement vous dire, vous voyez, on peut revoir juste sur la petite photo d'avant. Pareil, là, on a de nouveau un petit espace derrière où ils ont déjà commencé à mettre des photos pour personnaliser les espaces et pour faire de l'affichage. Donc, toujours dans la continuité de ce qu'on se disait tout à l'heure. Très coloré. Mais c'est effectivement toujours un sujet intéressant, Anna, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on a encore assez peu de réseaux et de connaissances dans les distributeurs et fournisseurs de mobilier de seconde main, remasterisé ou autre. Ça reste un marché de niche, quoi. Donc, c'est vachement intéressant qu'il y ait autant de fournisseurs qui puissent nous accompagner. Et je pense que c'est un sujet intéressant qu'on devrait regarder d'un peu plus près, tous. Oui. Tout à fait. Et comme la demande part toujours du client, c'est hyper intéressant que ces demandes elles soient de plus en plus fréquentes parce que ça va inciter aussi à faire en sorte que ça se développe davantage. C'est clair. Oui, tout à fait. Et il faut toujours se rappeler que la performance environnementale de l'environnement de travail ne repose pas que sur la performance énergétique. Je dis ça parce que parfois on a tendance à confondre les deux, mais en effet, quand je vois ce genre de projet et ce type de démarche, je ne peux que les saluer. C'est une très bonne nouvelle pour la filière. Oui. C'est vrai, l'impact est aussi très important. Alors là, on voit l'univers de l'enfant, là, on y est. Là, on est en fait, là, on est dans un espace, donc on est toujours dans le périmètre du parcours visiteur. Là, on est dans un espace qui a été spécifiquement demandé lors de l'atelier des collaborateurs qu'ils n'avaient pas avant dans leur précédent bureau. C'est un espace showroom, donc un espace de démonstration qui affiche justement donc l'histoire, la marque, l'univers de l'enfance et de l'imaginaire. Avec justement, voilà, on leur a mis une petite une cloison avec des étagères pour mettre en avant les produits de l'UNI. Et si on regarde sur l'image suivante, qui est la même zone de ce showroom-là, en fait, les collaborateurs nous avaient dit aussi que ce serait intéressant d'avoir une chambre d'enfants ou un espace jeu qui permettrait en fait d'accueillir les enfants et leurs parents pour faire les fameux tests sur les produits. Donc là, nous, on a imaginé un 2-en-1, donc finalement, qui reflète l'image et qui fait aussi chambre d'enfants où on peut accueillir les personnes et faire les fameux tests dans cet espace-là. On revoit de nouveau les deux petites chaises en bois qui sont 100% made in France. Et on a d'autres espaces aussi qui ne seront pas forcément sur les photos-là, mais qui ont été faites spécialement avec les équipes qui en avaient besoin, un atelier SAV, une salle de design. Donc des espaces de stockage, des établis, etc., pour travailler concrètement sur les produits qu'on leur a installés. Ok. Il nous reste 5 minutes, on va avancer, Anna. D'accord, ça marche. Parce que la visite est passionnante, mais il faut avancer. Donc là, sur cette image, on découvre un peu la réponse aux demandes des espaces collaboratifs qui avaient été faites par les collaborateurs. Donc, des espaces nombreux avec des tailles et des aménagements qui étaient variés, ouverts ou fermés, et ils en voulaient à tous les étages, répartis entre les différents territoires d'équipe, pour pouvoir s'isoler, échanger sans déranger les autres, travailler en équipe sur des sujets confidentiels. Et ce qu'ils voulaient, c'est que ce soit des endroits qui soient fonctionnels et équipés avec des moyens de projection, des branchements, des écrimures. Ouais, ici, on voit quelque chose de formel. Mais voilà, sur les images suivantes, alors peut-être sur l'image précédente, simplement, je voulais souligner parce qu'il y avait un mobilier qui était très intéressant,
Ici, en fait, c'est une table haute du fournisseur Louis Design qui, en fait, lui, fait de la seconde main, c'est-à-dire qu'il fournit, donc il est créateur de mobilier et fournit du mobilier à ses clients. Et pour les clients qui ne souhaitent se débarrasser du mobilier, il va récupérer son mobilier, le remettre en état et le proposer à d'autres clients. Donc ça, c'est une table de seconde main. Et donc voilà, sur les autres images, donc on voit qu'il y a une variété de postures d'assises. Pour rester dans l'univers de l'enfance, on a toujours ces noms de salles qui restent dans les personnages. Babar. Voilà, exactement. Alors ici, donc là, on rentre dans les espaces de travail. Donc là, c'était pour répondre à la notion d'expérience collaborateur l'UNI. C'était des espaces qui demandaient donc lumineux, aérés, où on se sent bien, qui sont chaleureux, végétaux, à l'image toujours de l'identité de l'UNI. Et là, on peut voir donc les benches et les fauteuils de bureau ainsi que les armoires blanches. Tout ça, c'est de la seconde main. On a travaillé avec un partenaire qui s'appelle Tricycle, qui est en charge de récupérer le mobilier et qui le revend. Il faut savoir que 60 à 70% du mobilier est seconde main chez l'UNI. Ah oui, 60 à 70%. Oui. Tout à fait. Et justement, les casiers en bois qu'on peut voir là, ce sont des casiers qui sont faits en bois éco-responsable et qui sont certifiés Made in Europe. Ok. Ouais. On voit les différentes postures. Voilà. Ah, exactement. Et alors, même les escaliers, voilà. Escaliers sont designés. Alors voilà, je tenais à faire un petit clin d'œil par rapport aux escaliers, parce que également lors de l'atelier RSE, les collaborateurs avaient souligné qu'ils voulaient inciter en fait leurs collègues à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Donc en fait, on a créé de l'animation dans les escaliers en mettant différentes citations et des petits, ce qu'on appelle des nudges, par exemple le nombre de calories qui sont dépensées en fonction du nombre de marches qui sont montées. On voit les noms des personnages de l'UNI qui sont inscrits, etc. Pour justement inciter à prendre plaisir à grimper les marches. Ça motive pour monter les. Ouais. Ah bah, ça, c'est clair que le nombre de calories, ça peut me motiver. Ouais. Ça peut te motiver à monter, à descendre ouais, les escaliers, c'est bah, ça ouais, d'accord. Ouais, ouais. Enfin, ou me démotiver si je vois qu'à la fin, ça fait rien du tout. Et donc voilà, pour terminer, peut-être un petit mot sur le Welcome Day. On a organisé une journée de bienvenue pour faire découvrir les locaux aux collaborateurs. Alors, il faut savoir que ça a été un vrai moment de retrouvailles pour eux parce qu'ils ne s'étaient pas vus depuis avant le Covid. Et donc, du coup, du fait de la croissance chez l'UNI, il y a même des personnes qui se sont découvertes. Donc là, c'était un peu l'accueil des arrivants sur le site. On a souhaité rester dans l'univers de l'UNI. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé une chasse au trésor où par équipe, les collaborateurs, ils ont pu découvrir les locaux, donc leur territoire, les espaces spécifiques. Donc on a aussi une salle de sport, les différentes salles de réunion, le Fab Lab, etc. Et en fait, ils ont découvert tout ça via des charades et des mises en scène des personnages de l'UNI. Donc, on voit qu'ils se sont bien portés au jeu. On voit aussi sur une des images précédentes qu'ils ont également utilisé les escaliers. Donc, on était assez contents de voir que ça avait marché. Ouais. Et voilà, peut-être le petit mot de la fin, c'était de dire bah, c'est vraiment un événement qui a marqué le coup et qui a fait un petit effet waouh sur la découverte des nouveaux locaux. Ça a fédéré les collaborateurs, ça a créé des moments mémorables. Et puis, nous, chez CDB, on était ravis parce que vous voyez justement ces petits mobiliers modulables, et ben au bout de quelques heures, tout le monde se les a déjà appropriés, les avait bougés de manière à ce que ce soit répondre à leurs besoins, donc on était ravis. C'est bien ces événements. Alors c'est vrai qu'on dit que de plus en plus, il faut que les locaux soient expérientiels, j'entends ça, bon voilà, des happen space, j'entends de plus en plus les chasses au trésor, les escape games, en tout cas, le fait aussi d'avoir des rituels, surtout avec le développement du télétravail, d'avoir de plus en plus de rituels sur le lieu de travail. Raphaël, c'est aussi une demande qu'on t'adresse ? Alors c'est une demande qu'on sent monter effectivement avec les 18 mois qu'on vient de vivre et l'absence de bureau. Quand les collaborateurs reviennent, ils n'ont pas envie juste d'être plantés derrière un poste de travail à pas pouvoir interagir avec les autres. Ils ont envie d'échanger, de collaborer, et je trouve l'idée effectivement des chasses au trésor et des petits jeux entre collaborateurs vachement intéressante à creuser pour pouvoir créer de l'ambiance. Outre les réunions de travail et les brainstorming qu'il peut y avoir, qui sont vraiment dédiés métiers. Ouais, ouais. Bravo, belle idée. Ouais. Une idée de l'enveloppe budgétaire mobilier, Anna. Catherine demande sur le projet.
Alors là, pour être totalement sincère, je ne l'ai pas en tête. Et en plus, même si je le savais, il faudrait que je vérifie si ce n'est pas une information qui est confidentielle. Ouais. Mais je peux toujours me noter la question et vous revenir dessus. Et je voyais une autre question de Muriel. Comment peut-on contacter ses fournisseurs de mobilier seconde main pour récupérer du mobilier à rénover? Alors, nous, on a dans notre panel de partenaires des contacts de personnes avec lesquelles on travaille. Donc, on peut vous fournir les contacts, j'imagine, si ça vous intéresse. Après, de manière générale, comme il y en a très peu, ils sont assez reconnus sur la place publique. Hein. J'ai parlé de Tricycle, il y a aussi Bluenov. Ils sont identifiables assez facilement. Ça peut être sympa, Anna, que tu mettes ça en message après. On va basculer sur la rubrique de Mario. Si tu peux nous en citer quelques-uns dans le chat, on est preneur. Catherine nous dit le label Emmaüs également. Est-ce que, sans donner de chiffres, tu sais si globalement c'était plus cher, moins cher, à peu près équivalent de s'équiper en mobilier recyclé, recyclable comme cela? C'est une enveloppe budgétaire plus importante ou pas? Alors, en fait, je vais vous dire, je vais faire une réponse de Normand, ça va dépendre de ce que vous souhaitez. C'est qu'en fait, comme nous, on travaille vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec une quantité de fournisseurs de mobilier hyper variés, on peut vous trouver du haut de gamme comme du moyen de gamme, comme du très bonne affaire. Et en ce qui concerne les démarches RSE, on peut trouver des personnes, enfin des fournisseurs qui sont capables de donner des mobiliers qui sont made in France, etc., dans toutes les gammes de prix. D'accord, ok, on peut trouver toutes les gammes aussi, même en recyclable et recyclé, c'est cool. Frédéric nous dit Blue Digo, tu t'en as parlé, tu vas peut-être nous en indiquer d'autres. En tout cas, voilà, merci beaucoup Anna, bravo à vous évidemment et aux équipes de CDB pour ce très beau projet. Bravo aussi aux équipes de l'UNI, je trouve qu'ils ont réussi à créer un lieu gai et chaleureux, quoi. Voilà. Ça a été une belle collaboration, on en est très contents. Ouais, ça se ressent. Et puis, on ressent bien leur culture et les valeurs de l'entreprise, même si c'est une start-up, tu l'as rappelé. Voilà, vous avez réalisé un bel écrin, en tout cas. Bravo. Ça donne envie d'aller y travailler, effectivement. Objectif atteint, alors. et d'aller visiter aussi, pourquoi pas. Tout à fait, une visite est tout à fait intéressante à faire. Allez, merci beaucoup. Alors, on va passer à une autre belle histoire. Chiffrée, celle-là, c'est celle des busy ratios de l'ARSEG avec notre responsable du pôle études et prospectifs, Mario Fernandez himself. C'est parti. Alors, salut Mario, ravi de te retrouver. Salut. Mario, tu as choisi de nous parler du coût des énergies. Alors, dans cette période où on entend parler de coût de l'énergie qui s'envole, j'ai trouvé que c'était plutôt une très bonne idée, non? Oui, c'était. Je trouve que c'est intéressant parce que, juste pour rappeler les busy ratios 2021, qui ont été publiés il y a 2 semaines, portent sur les données de l'année précédente. Donc, ça veut dire que là, en fait, on va parler de l'évolution du coût d'énergie en fait sur la période 2019-2020. Donc en fait ce qu'a coûté l'énergie dans l'année 2020 une période troublée pour le moins. Oui, tout à fait, parce que 2020 c'était la première année de la pandémie, donc on a vu logiquement l'impact sur les consommations de l'énergie et c'est pour ça qu'on peut voir que le coût d'énergie a baissé de 23% en fait depuis la période pré-pandémie qui était 2019. Donc en effet, la pandémie et le contexte de la pandémie a contribué à cette baisse, notamment en raison des confinements. Logiquement, si les bâtiments sont moins occupés ou voire pas du tout, il y aura moins de consommation énergétique. Par contre, au-delà de la pandémie, il faut dire que même avant cette période de mars, on a eu le premier confinement, la période hivernale était particulièrement douce. Donc, ça veut dire qu'il y a eu moins de demandes du chauffage. Et en fait, ça contribue à baisser également les consommations. Puisqu'il faut savoir que d'après l'ADEME, environ 50% des dépenses en énergie dans les bureaux sont liées au chauffage. Donc, c'est non négligeable. Ah oui. Alors, on voit que le coût, le ratio que vous calculez,
il tient compte du coup de toutes les énergies là, hein, ce qu'on donne, les 22 euros par mètre carré, électricité, gaz, fuel, vapeur, le cas échéant, et bien sûr c'est ramené à la surface utile, le mètre carré utile ou locatif, hein, c'est ça. Exactement, dans ce cas on parle du coût par mètre carré. Très bien. Alors, il y a quand même, s'il y a des facteurs particuliers qui expliquent évidemment cette grosse chute, il y a aussi des facteurs qui ont pu limiter hein, cette baisse aussi du coût. Et justement, tu disais, les confinements n'ont commencé qu'en mars, donc on a quand même eu 2 mois en plein hiver où on a chauffé à plein. Oui, c'est ça. Encore une fois, comme il y avait une période hivernale un peu plus douce, c'est vrai que les… Situation relativement normale, je dis relativement parce que voilà, c'était pas par rapport à une période hivernale froide normale, mais quand même, c'était comparé aux consommations pendant les périodes de confinement et aux périodes d'occupation, c'est vrai que c'était plus élevé. Après, encore une fois, faut nuancer parce que voilà, parfois il y avait des situations où même s'il y avait des bâtiments inoccupés, c'était pas le cas pour tout le monde, mais il y avait aussi certains bâtiments qui avaient décidé de laisser certains étages, voire tous les étages, allumés. Ce qui est un enjeu. Hein. On parle souvent du fait que dans des endroits comme la Défense, dans d'autres endroits où il y a des bureaux, parfois on consomme de l'énergie au-delà des périodes d'occupation, même pendant la nuit. Et c'était pareil, en fait, pendant la période de confinement, il y avait certains bâtiments qui ont décidé de laisser en fait, les étages entiers allumés. Et puis, il y a la ventilation mécanique aussi qui a été plus utilisée pour justement renouveler l'air. Hein. C'était il y a une recommandation gouvernementale. Tout à fait. On parlait avant de la ventilation mécanique. Et en effet, d'après le protocole sanitaire, il est recommandé d'aérer régulièrement les espaces des bâtiments. Souvent, en fait, quand on a des grands bâtiments et on ne peut pas aérer suffisamment avec les fenêtres, il est recommandé d'utiliser la ventilation mécanique. C'est pour ça que pendant cette première année de confinement et pour les autres années aussi, en 2021 aussi, on a utilisé plus de ventilation mécanique. Et en fait, il faut savoir que, d'après l'ADEME, mais aussi d'après d'autres sources, la ventilation mécanique est énergivore. Donc, ça va forcément contribuer à une hausse des consommations. Donc, même si au total, on a vu une baisse de 23% des consommations énergétiques, il y a eu des facteurs qui ont limité la baisse de ces consommations et du coût. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est moins 23%, mais ça aurait pu être plus. Voilà. Ouais, compris. Alors, tu l'as rappelé, hein, c'est l'édition 2021, mais elle porte sur les chiffres de l'année 2020 qui a été tellement particulière. Du coup, je me dis que peut-être cette édition, elle réserve d'autres surprises. Elle réserve d'autres surprises de ce genre. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant de cette édition 2021 qui porte sur les données 2020, c'est qu'en effet, c'est la première année qu'on va… On va chiffrer en fait l'impact de la crise sanitaire sur la filière dans l'environnement de travail, mais non seulement on va également voir dans les textes des analyses qualitatives sur ce qui aurait pu se passer, des impacts, des forts impacts, des impacts moins forts, parfois même des stabilités. Hein. Il y a eu des coûts qui sont restés assez stables, mais au-delà de la crise sanitaire, ce qui est intéressant de l'édition 2021, c'est que on va analyser également l'évolution de l'environnement de travail sur un cycle beaucoup plus long. Disons sur 11 ans, par exemple, de benchmark d'utilisation. Donc, ça permet aussi de dézoomer et voir en fait les tendances qui se dessinaient depuis une période un peu plus longue. Oui. Et pour finaliser, on va également ouvrir quelques pistes de réflexion sur ce qui pourrait être l'avenir de la filière compte tenu de la crise sanitaire, mais également compte tenu des tendances longues. OK. Merci Mario, bravo pour cette nouvelle édition des Busy Ratios de l'ARCEG. On rappelle qu'ils viennent juste de paraître. Comment on peut se les procurer, Mario, rapidement? Alors, vous avez toutes les informations sur le site de l'ARCEG. Vous aurez le bon de commande et que vous devez remplir. Et si vous voulez l'envoyer au pôle études et prospectif, toutes les informations, tous les mails, etc. sont sur le site internet. C'est très clair. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site. Ouais, www.arceg.asso.fr. Voilà, merci beaucoup
Mario, et on passe à la dernière rubrique de notre webinaire Seigle Mag. Vous en avez pris l'habitude, c'est la rubrique repérée pour vous. J'ai sélectionné quelques tendances dans les médias. Je vous propose de les partager ensemble. Voilà, et on démarre avec cette tendance repérée sur le site Welcome to the Jungle et que j'ai appelé le télétravail au carré. Figurez-vous qu'avec le télétravail se développe un nouveau phénomène aux États-Unis, le télétravailleur à double job. On connaît les Américains adeptes du cumul de petits boulots, mais le télétravailleur à double casquette, c'est assez nouveau. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, tout simplement, des salariés pas trop surchargés, qui, sur leur temps de télétravail, se mettent à exercer un second boulot, tout simplement. Alors, ça pourrait prêter à sourire en se disant que ça ne va pas concerner des millions de personnes, sauf qu'un sondage réalisé en avril 2020 indiquait que 50% des télétravailleurs américains avouaient avoir travaillé pour un second employeur pendant leurs heures de télétravail. Alors, tant et si bien, qu'il y a un site spécialisé qui a été créé, qui s'appelle judicieusement overemployed.com, qui réunit déjà une communauté de plus de 6700 membres qui ne semblent pas voir où se situe le problème. Donc. Alors, overemployed, suremployé en français dans le texte, en tout cas pas pour leur employeur d'origine, j'ai envie de dire. Alors, j'avais envie de demander à Héloïse si c'était légal, mais je crois qu'on a eu un petit problème de connexion avec Héloïse. Je me demandais si c'était légal quand même de cumuler comme ça des emplois sur des heures de télétravail. Je ne suis pas très sûr. Ça demandera à être vérifié. Deuxième tendance repérée pour vous sur le site Les Actualités, cette fois, le congé PAT, P-A-T-E, ternité. Alors, ce subtil jeu de mots fait référence aux demandes croissantes, surtout au Royaume-Uni et aux États-Unis, d'employés qui souhaitent pouvoir disposer de jours de congé pour accueillir leur nouvel animal domestique ou pour l'accompagner en soins ou lors de sa fin de vie. Alors là encore, on pourrait sourire, mais moins quand on voit que selon Pet Plan Insurance, il y a d'ores et déjà un nouveau propriétaire d'animal sur 20 qui a bénéficié d'un congé pour s'occuper de lui. Alors du coup, l'auteur de l'article cherchait quel animal il pouvait bien adopter qui lui permettrait d'avoir un congé pendant lequel il pourrait travailler pour un autre employeur, par exemple, et il pensait à un poisson rouge. Voilà, donc si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les partager. Voilà, alors ceci dit, je réfléchissais, je me disais que les animaux, je trouve, s'invitent régulièrement et de plus en plus dans nos discussions, que ce soit le chat qui reste à demeure dans les bureaux, on en voit par-ci, par-là, les moutons, les chèvres qui broutent les jardins, les chiens qui peuvent passer la journée avec leur maître au bureau, comme au siège d'Amazon. Je ne sais pas si vous avez des demandes particulières en ce sens, Anna, Raphaël. Honneur à Anna, en plein cœur de Paris, je ne sais pas s'il y a des demandes comme ça. Alors non, moi j'ai été confrontée à aucune demande et c'est vrai que j'ai travaillé pour aucun client qui pratiquait ce genre d'initiative. Par contre, lors de certains ateliers, ce sont des idées qui ont été proposées par les collaborateurs. Alors, ce n'était pas chez l'UNI, mais dans une autre entreprise où ils disaient pourquoi ne pas permettre à son animal de compagnie de venir passer une journée au bureau, parce que voilà, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que voilà, la présence d'animaux a tendance à détendre et à mettre dans un état d'esprit positif les collaborateurs, mais je serais curieuse de voir ça expérimenté. J'ai eu la question moi des chiens guides d'aveugles, non pas pour des personnes atteintes de cécité, mais pour les personnes qui les accompagnent en début de formation. Les chiens généralement qui sont pris en famille d'accueil pendant plusieurs mois, je crois que c'est une dizaine ou une douzaine de mois, pour qu'ils s'habituent à la vie en collectivité et autres. Et j'ai eu la question un jour de me dire, mais si je prends un chien dans ce cadre-là, est-ce que je peux l'emmener au bureau? Et là, bonne question, parce qu'on n'est pas du tout organisé pour et ça ne fait pas du tout partie des usages. Mais je trouve l'idée assez intéressante au final de pouvoir avoir ce genre d'approche. Excellent. Après, ça peut devenir compliqué si tout le monde vient avec son chien, son chat et autres. Ça peut vite devenir très, très compliqué. Ou avec son rat, nous dit Philippe. Ouf, avec son rat, son furet, son blaireau. Et alors là, ça devient un carnage. Là.
Ceci dit, c'est très anglo-saxon, hein. Muriel nous dit dans certaines de nos filiales à l'étranger, Australie, il y a la journée des animaux, comme il y a aussi la journée des enfants au bureau. Oui, c'est vrai que il y a ce genre d'événement, mais de là à les avoir à demeure, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Allez, dernière tendance dont on parle beaucoup en ce moment, l'appel du grand vert. C'est France Bleu Occitanie, Raphaël, tiens. Sud-Ouest, mais oui, qui se faisait l'écho fin septembre du succès de la plateforme Vivre au Vert. Elle a été lancée en août 2020, cette plateforme, et elle compte déjà plus de 10 000 utilisateurs. Alors, ils surfent en fait sur la vague télétravail égale possibilité de vivre ailleurs, de vivre au vert. Et donc, il y a 5 associés de la région toulousaine qui ont eu l'idée de cette plateforme. Alors, comment elle fonctionne ? Ben, simplement, l'utilisateur remplit d'abord les critères de son projet de déménagement. Présence d'une école, échangeur autoroutier à proximité, une grande ville pas très loin, un hôpital, etc. etc. Et la plateforme va ensuite compiler tous ces critères et générer une carte de France avec des dalles de 25 km². Si tous les critères sont remplis, la dalle est verte. S'il manque un critère, elle est jaune. S'il en manque deux ou plus, elle est orange. Et ensuite, en fonction de la dalle cliquée, eh bien, comme par enchantement, des biens immobiliers vacants sont proposés. Alors, ça peut être aussi des activités commerciales qui peuvent être à reprendre ou des activités de loisirs. Alors, des beaux jours semblent s'offrir quand même à cette plateforme, en tout cas, puisqu'il y a 55% des Français qui disaient vouloir vivre ailleurs et déménager, selon le dernier sondage de l'OPSOCO, c'est l'Observatoire des usages et représentations des territoires. C'est un sondage très récent puisqu'il est paru en octobre. Et c'est surtout un chiffre qui est en augmentation de 7 points par rapport à 2017. Voilà, donc on revient à ce sujet déménagement qu'on a abordé également, par exemple, avec la NDRH, avec l'association des DRH. Hein, 30% des DRH disent qu'ils ont été confrontés ces derniers temps à des collaborateurs qui ont déjà déménagé ou qui souhaitent déménager et donc, comme vous le savez, se demander que l'entreprise prenne en charge une partie des coûts de déplacement domicile-travail, hein, comme la loi les y oblige. Voilà, alors les fumeurs, qu'est-ce qu'on nous dit ? Christophe qui dit, y a-t-il des textes qui réglementent et limitent les conditions d'accès aux animaux ? Ah bah ouais, bonne question, Christophe, on va se renseigner. Parfait, en tout cas, merci beaucoup pour vos échanges et vos réactions. La rubrique repérée pour vous, c'est terminé. Et d'ailleurs, c'est ainsi que s'achève notre 6e édition du webinar SEG. Le MAG, c'est l'occasion pour moi, évidemment, de remercier toutes celles et tous ceux qui y ont contribué, notamment nos deux Clémentines. C'est bientôt Noël, il fallait que je la fasse. Elle est très Caroline, facile celle-là quand même. Voilà, oui. Merci également à vous Raphaël, Héloïse, Mario, Anna. Également, merci à vous tous de nous avoir suivis. D'ailleurs, si vous avez apprécié cette session, n'hésitez pas à recommander le replay de l'émission à votre réseau. C'est un replay que vous pouvez retrouver dans la rubrique « Revivez nos événements » du site LARSEG. www.arseg.asso.fr. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures. On se quitte avec de très belles photos. Vous allez voir de la soirée Arseg qui s'est tenue il y a une semaine tout juste à Cannes lors du dernier Workplace Meetings. Portez-vous bien, passez de bonnes fêtes. Bye bye et merci encore Raphaël, Anna, Mario. Bonne fête à tout le monde. Voilà, bonne fête à tous. Salut. Merci à tous. Merci.